C'est chaud, c'est chaud. On va déshabiller les habits. Ce soir-là, on va déshabiller les habits. Oh, okay. On va déshabiller les habits. Quand il sera 21h chez moi à Chimazok, on va déshabiller les habits. On va déshabiller les habits. Voilà. Il y a des gens qui sont déjà gênés aux entournures. Il y a des gens qui sont déjà gênés aux entournures. Ils ont commencé à allumer les contre-feux. Mais tant pis, ça là c'est zéro. Tout ça c'est zéro. Aujourd'hui là, today na today, on va enlever les habits. Oh non, on va déshabiller les habits au défouloir. Ce soir au défouloir, on va déshabiller les habits. On a commencé à me menacer. Mais moi, c'est le dos du chien. Chez moi, Mandi là-bas, là, on m'appelle le dos du chien. Zim Mandi. Habitué au coup dur. Je suis habitué au coup dur. Il y a même les gorilles qui sont habitués à donner les coups. Oh. Si les gorilles sont habitués à me donner les coups au dos, vous pensez que ce sont les coups des macaques que je vais craindre? Est-ce qu'un homme qui est habitué à recevoir les coups des gorilles, des hiboubous, grand format, il va avoir peur des coups des macaques, des serpicothèques? Mais non! Aujourd'hui, là, ce soir-là, on va déshabiller les habits. Faites passer le message. Vous dites au garde du village, là, vous venez. On va déshabiller les habits. Ça a trop duré, oh. Ça a trop duré aujourd'hui là. On va déshabiller les habits. C'est samedi soir. On déshabille les habits. Voilà. Quand vous verrez 21h00, heure de Chimazok, heure de Bitam, heure de chez moi Niazan, heure de Obiliville, on va déshabiller les habits. Voilà. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On va déshabiller les habits. Aujourd'hui, un cadavre doit mourir. Aujourd'hui, un cadavre doit mourir. Donc, faites passer le message. Soyez nombreux à la salle là pour déshabiller les habits. Ça a trop duré. Où est le petit Rinaldi? Le petit Rinaldi est où, oh? Le petit Rinaldi est où? Parce qu'on a commencé à voir clair. On a commencé à voir clair. Le petit Rinaldi est où? Parce que quand moi j'écoutais les sons là, ce sont les mêmes. Les mêmes qui font le désordre chez moi à Chimazok. Ce sont les mêmes qui vont faire le désordre chez moi à Obiliville, à Niazan. Ce sont les mêmes aujourd'hui là. On va déshabiller les habits. Ceux qui ne sont pas contents, c'est suicide. Ceux qui ne sont pas contents, qui le sait, suicide. On va boire le café noir. Ceux qui ne sont pas contents qu'on déshabille les habits, là, qui le sait, suicide. Les gens qui ne sont pas contents qu'on déshabille les habits aujourd'hui, là, qui le sait, suicide déjà. On va boire le café. C'est comme ça, parce qu'aujourd'hui là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, un cadavre doit mourir. On va déshabiller les habits. Ah, oui, j'ai dit que la toile va se réveiller. La toile va se réveiller. C'est trop facile, non, que la toile reste silencieuse comme ça. Que les gens dorment, que les gens fassent des business, alors qu'il y a des problèmes importants. Vendre un enfant, c'est un crime. Je ne le fais pas parce qu'il s'agit de tel ou tel, parce qu'il s'agit d'un crime déjà condamné par la morale. On ne vend pas. La tête de Gruyère est terminée. Tous ceux qui font ça doivent répondre de leurs actes. Et notre objectif, nous, les lanceurs d'alerte, c'est de pousser la justice pour que le feu de la justice éclaire jusqu'au bout de la rampe.
Donc on doit savoir où est passé le petit rénal dit, parce que c'est dans le même périmètre. On ne va pas dire que qui a pissé là, c'est moi. Mais qui a cabiné ici, c'est pas moi. Hein? Aujourd'hui là, on doit déshabiller les habits. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne se suicident déjà, on va boire le café. Voilà. Donc, insultez-moi. Faites tout ce que vous voulez. Mais je sais que quand il sera 21h, chez moi à Djougou, à Tougou-Tougou, à Kouakam, on va déshabiller les habits. Je ne le fais pas parce qu'il y a tel derrière. Moi, je n'ai rien à foutre. Je m'en tamponne le coquillard. Vous voyez que j'essaye de faire dans l'équité. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est malade. Et les gens comme les Foumou, Flavienne, font partie des oripeaux du pays. Comment peut-elle avoir dans son ciboulot l'idée cafardeuse de prendre les enfants d'autrui pour les vendre à 10 millions? Pourquoi ne vend pas ses propres enfants, Sierra Na? Et vous allez trouver des tordus pour trouver à redire quand on dénonce ça. Ce sont des gens d'une mauvaise éducation. Qu'on a été élevé avec l'instinct bestial. La vie de son semblable ne vaut rien. Il est plus facile de se mépriser quand on se méprise. Il est plus facile de mépriser autrui quand on se méprise soi-même. Donc, ce soir, on va déshabiller les habits. Quand il sera 21h chez moi à Minzik, on va déshabiller les habits. Ceux qui ne sont pas contents qu'ils se suicident. Il n'y a pas de... On n'est pas ici pour faire du sentimentalisme de basse classe. Moi, je ne fais pas non plus de sentimentalité de basse classe. Parce qu'il y a un problème dans ce Gabon. Et tous ceux qui se rendent coupables de quelque chose, punis par la loi, doivent être punis conformément à la loi. Pas parce que quelqu'un va s'appeler Moutinga ou parce qu'il va s'appeler Biban, que je condamne les actes que condamne la morale avant que la justice des hommes ne condamne. Et je suis convaincu que le plus grand tribunal sur terre, c'est la conscience, parce qu'elle juge et condamne à plus long terme. La morale, c'est la conscience, c'est la plus grande justice. Elle juge et condamne à plus long terme. Et les gens qui défendent les criminels sont criminels eux-mêmes. Ils ont l'instinct bestial dans leur gène. Au lieu de fermer tous leurs trous, ils essayent d'ouvrir les mandibules pour trouver à redire. On n'est pas dans ces combats pour faire plaisir à un parent, pour faire plaisir à qui que ce soit. Je vous autorise, si vous trouvez un parent à Moulenda qui verse dans des vilainies, je vous autorise à cogner fortement sur cette personne. Parce que je suis un héros cornélien. Je mets les principes moraux devant. Pas de sentimentalisme. Pas de régionalisme. Donc, ce soir, on va déshabiller les habits. Ce soir, on va déshabiller les habits quand il sera 21h à Obiliville, à Niazan, à Chimazok chez moi. On déshabille les habits. Ceux qui ne sont pas contents qu'ils se suicident. C'est comme ça. Je suis journaliste. Je donne l'information, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Mais mon rôle, c'est de donner l'information. Mon rôle aussi, c'est d'aller au-delà des apparences. Parce que nous avons un pays à construire. Et ce pays ne peut pas être construit par des oripeaux qui vendent les enfants et leurs complices qui les soutiennent aveuglement. Les gens ont dit qu'ils vont reprendre leur guerre de sorcellerie contre Moulenda. Je m'en tamponne le coquillard. Je suis habitué à tout. Que n'ai-je pas entendu ces dernières années sur moi? Que n'a-t-on pas dit sur moi?
Qu'est-ce qui me surprendrait? Bientôt, les gens sortiraient de leur tanière pour dire que oui, je suis le fils de Moulenda, il m'a nié. Même s'ils ont presque le même âge que moi, même s'ils sont de la même génération, il y a des gens qui viendront dire oui, il est monté sur ma mère et il m'a nié. Ça ne m'étonnerait pas. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Où les gens n'ont pas de morale. Où la seule valeur pour eux, c'est la valeur monétaire. Voilà ce qui compte dans ces pays. Et je me battrai, je ferraillerai de ma plume et de ma voix contre ces pratiques qui nous maintiennent aux antipodes du progrès. Et tous les oripeaux qui vont se dresser sur mon chemin, je vais les dégager. J'aime bien les pugilats verbaux, les pugilats oratoires. Et je vous ai dit, la toile va se réveiller. Elle a commencé à se réveiller. Parce que les gens qui sont mafieux, qui sont dans cette mafia, ont commencé à se reconnaître. Ça ne m'étonne pas. Ils ont commencé à se reconnaître et à menacer. C'est normal. Parce que quand on parle de ce qui est oblique, la machette se présente en premier. Quand on parle de ce qui est oblique, la machette se présente en premier. Ce soir, on va déshabiller les habits au défouloir. Adek-deke, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, un cadavre doit mourir. Un cadavre doit mourir, ça a trop duré. Oui, un cadavre doit mourir. Voilà. Donc, 21h, heure de Obidiville, heure de Chimazok, heure de Nyanzon, heure de Tougou-Tougou, heure d'Adjougou et d'Akwakam. Alors, on se trouve en mode déshabiller les habits. En mode déshabiller les habits. Merci et à tout à l'heure.